parle à nos cœurs, Seigneur. Prophétise à nos vies, t'es les armées. Prophétise à nos vies, Père très saint. Et que tu te manifestes dans la vie de chacun. Et que tu te glorifies dans la vie de chacun. Accorde l'opportunité à nous de chacun, Jésus. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Touche nos âmes et prophétise à ton peuple. Moi, ma bouche, Seigneur, mais la parole vivante qui va donner la vie pour cette année. Et que tu marches avec tout et chacun de nous. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus, nous te sommes vraiment reconnaissants et disons Amen. Et lui-même disait, c'est moi. Amen.
Il lui dira donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert les yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore nous accorder et pour ce passage qu'il vient de nous donner. Je profite de l'occasion pour souhaiter d'abord mes meilleurs vœux 2016 à toute l'Église au nom de Jésus. Amen. Que cette année soit une année favorable, comme vient de nous dire le Seigneur, que Dieu vous accorde ce qui est le désir de votre cœur. Je souhaite une bonne année à tout le monde et à toute l'Église et à toutes vos familles au nom de Jésus-Christ. Vivez ce que vous n'avez jamais vécu, mais qui sera merveilleux pour vous, et contemplez la grandeur de Dieu et savourez ses bienfaits au nom de Jésus. Amen. Que Dieu marche avec tout et chacun de nous. Dites-le maintenant, regardez un voisin, dis-lui bonne année. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ça fait déjà une année qu'on ne s'était pas vu, on vient de se voir une année nouvelle, on dit que son nom soit glorifié. C'est que l'année 2015 vient de passer, que tous tes malheurs soient restés dans l'année 2015. Que tous tes problèmes restent à l'année 2015 au nom de Jésus. Que toutes tes maladies restent à l'année 2015 au nom de Jésus. Que tes difficultés restent à l'année 2015 au nom de Jésus. La couleur de l'ombre, c'est la couleur de la mort, la couleur de misère, la couleur la plus atroce.
Que
qui va du lever du soleil jusqu'avant le coucher du soleil. Alléluia. Après le coucher du soleil, on parle de la nuit. Et c'est une période où il y a la lumière, il y a l'éclat. Tandis qu'il y a encore du temps. Alléluia. C'est pendant la journée que les gens travaillent. C'est pendant la journée qu'on peut effectuer des activités. Pendant la journée, on peut encore faire des choses. On peut encore organiser des choses. Et Jésus-Christ ne veut jamais être en retard. Quand il fait déjà nuit, c'est-à-dire qu'il est déjà trop tard. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 3 au verset 7, on nous parle, on dit que avant que les jours mauvais arrivent, avant que le soleil ne s'obscurcisse, avant que la mort arrive, c'est-à-dire quand le soleil est parti, quand la Bible parle de la journée, on parle d'un moment où il y a encore tu as encore la force, tu as encore la vie, tu as encore la vigueur en toi. Et quand tu fais déjà nuit, c'est que c'est trop tard, c'est la mort. Et Jésus ne peut jamais être en retard. Pendant que tu es encore vivant, laisse à ce qu'il fasse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'agira pas trop tard quand tu es déjà couché au lit de l'hôpital, mais quand tu es déjà dans les cercueils, il agira pendant que tu es encore vivant. Et cette année 2016, Dieu ne veut pas être en retard. Il veut que pendant qu'il est encore jour, pendant que tu as encore la santé, pendant que tu peux encore marcher, pendant que tu peux encore parler, pendant que tu peux encore t'habiller, bien-aimé, je n'aime pas qu'on vienne m'habiller des vêtements chics quand je suis déjà mort. Si je meurs, prenez même un mauvais vêtement, habillez-moi, t'enterrez-moi. Alléluia. Je vais m'habiller pendant que je suis encore vivante. Alléluia. Ne viens pas m'offrir une auto quand je suis déjà morte. Et je vais la conduire comment? Alléluia. Ne me fais pas un chèque pour son enterrement. Non, fais-moi un chèque maintenant. Et notre Jésus n'est pas en retard. Il ne veut pas venir te faire un chèque pendant que c'est trop tard pour ta vie. Il veut te le faire pendant qu'il est encore jour. Pendant que tu es encore en santé, tu es encore vivant. Tu peux encore manger les mayonnaise. C'est alors qu'il peut en fait offrir la mayonnaise. Alléluia. Ne m'en fais pas la mayonnaise quand je suis déjà amorti. Donnez-moi maintenant. Alléluia. Là, 2016, je viens de le voir. Seigneur, donne-moi ce que tu me dois. Alléluia. Avant que je vieillisse, avant que je m'endors, avant que ça soit trop tard, avant que le soleil s'obscurcisse, quand le soleil s'obscurcisse, ça devient autre chose. Amen. Et Jésus-Christ a raconté cet homme. Cet homme était dans la quarantaine. La Bible déclare que vous savez que tu suis déjà atteint la quarantaine et je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Amen. Pour les mamans à la quarantaine, on vous dit quoi? Vous avez atteint quoi? La ménopause. Les enfants, vous n'allez pas les avoir, vous n'allez plus vraiment les avoir. À 50 ans, c'est fini. Plus question de dire, oh, je vais encore avoir des enfants, c'est maintenant. Alléluia. Pendant qu'il y a encore jour. Les mariages. Qu'on ne t'entende pas le mariage à 45 ans, à 50 ans. Ce n'est pas un bon mariage. C'est un mariage, il est sûr, mais ce n'est pas vraiment bénéfique. Alléluia. Là, vous avez 25 ans, 27 ans, 30 ans, au plus tard 35 ans. Hein. Partez, les jeunes, je vous libère au nom de Jésus. Amen. On ne veut pas avoir les jeunes à 45 ans ici, qui nous condamnent encore les requêtes, je vais me marier. Thank you.
Seigneur, donne-moi maintenant l'intelligence. Donne-moi une mémoire fraîche. Que je comprends la matière. 50 ans, papa. Tu étais où? Il était distrait. Alléluia. Et ça, c'est que Dieu te donne la réussite à chaque saison. Amen. Autant de se marier, marie-toi. Autant d'étudier, étudie, réussis. Alléluia. N'étudie pas, tu échoues. Maintenant, à 41 ans, tu commences à réussir. Maintenant, comment tu es déjà habitué à l'école, à 4e secondaire, tu l'as fait 5 fois. Tu es déjà habitué à cette matière. Tu connais déjà toutes les stratégies des professeurs de poser les examens. C'est avant que tu réussisses. À 5e secondaire encore, tu fais 5 ans. Tu connais déjà toutes les stratégies. Tu dis pas, non, je ne veux pas cesser. Au nom de Jésus, je chasse les démons des échecs dans le nom de Jésus. Amen. Et tu n'es personne dans cette église qui va passer à échouer. Tu n'es plus dans le nom de Jésus. Pas essayer. On n'a pas une vie d'essai. Une vie d'essai n'existe pas. Cet homme était mendiant une fois et une fois pour toutes, il a fini la mendicité. Terminer la mendicité. C'est la réussite. Amen. On refuse ces démons. Tous ces démons de poursuites qui nous réclamaient, des réclamations diaboliques, sorcelleries, de nos ancêtres qui ont traversé les océans pour nous suivre ici. Je les chasse au nom de Jésus. Amen. Et je les retourne en 2015. Amen. Alléluia. Amen. Je vais les retourner. Amen. Amen. Et ça retourne à l'année 2015. Hein? On veut de vos nouvelles choses. Amen. Cet homme, il a rencontré Jésus. Jésus ne l'a pas demandé. Fais-tu un peu de guérison comme il demandait au captivé. Il n'a pas demandé. Cet homme n'a pas fait les démarches. Laisse à ce que Dieu te fasse des surprises agréables. Même ce que tu n'avais pas demandé. Mais que Dieu a cru que c'était important pour toi. Qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Cet homme, il a été là-bas. Il a regardé Jésus. Jésus lui a dit, ce n'est pas lui qui a fait le péché. Ni sa Il a hissé du pâté, il a pris la boue, il a mis sur ses yeux, il a dit que va dans le devant de Siloé, l'endroit qui dit, envoyé, va te laver et tu vas découvrir la vie. Cet homme a obéi. Tout ce que je te demande à l'année 2016, c'est d'obéir aux instructions du Seigneur. Amen. Quand il va obéir, tu auras la bénédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 2, il nous dit ceci. Quand tu obéiras au précepte, au commandement de l'Éternel, voici les miracles qui viendront avec toi. Tu obéiras. Que cette année, à chaque fois que tu vas obéir, que Dieu te fasse des surprises agréables. C'est comme il a écouté une fois, il n'a pas écouté deux fois. Il était aveugle, mais il était pas sourd. Laisse à ce que Dieu te rende, te donne ton ouïe, la capacité de comprendre les mystères de Dieu d'un seul coup et qui te donne le cœur bien disposé à exécuter afin que tes miracles soient rapides. Vous savez pourquoi beaucoup de gens connaissent les retardements des miracles. Parce qu'ils ne sont pas obéissants. Alléluia. Plus tu t'entêtes, plus tu retardes ton miracle. Cet homme, il a reçu l'instruction une fois il est parti, et une fois il est revenu, il voyait clair. Laisse à ce que Dieu fasse que tu vois clair cette année 2016 au nom de Jésus. Amen. Là où tu voyais flou, la Bible dit que quand les yeux d'Adam et Ève s'étaient ouverts. Alléluia. Ils avaient péché et les yeux s'étaient ouverts pour voir qu'ils étaient nus. Mais cet homme ici, lui, il a vu clair, il a vu sa vie maintenant, il a vu le soleil, il a vu la lumière, sa vie a changé. Cet homme est parti à la réserve de Siloé, il a été envoyé et il est parti à l'endroit qui s'appelle envoyé. Il est parti là à la destination où Dieu voulait qu'il soit. Laisse que Dieu t'amène à la destination de ton miracle au nom de Jésus et que tu reviennes auprès de lui dans sa présence, dans le temple. Que tu racontes des miracles au nom de Jésus. Amen. Les requêtes que tu avais sur la liste, laisse-les que Dieu commence à les accomplir une à une au nom de Jésus et de vivre des bonnes choses. Sois seulement attentif à son instruction. Écoute sa voix, obéis à sa voix et tu feras les miracles cette année. Cet homme a raconté les miracles de Jésus qui la vie de Père. Tandis qu'il est encore jour, il faut que j'accomplisse tout ce qui est de Dieu. Il a vu que pas attendu qu'il est encore jour, pas en retard. Et la vie de Père qui est tout quoi? C'est cet homme a vu la lumière venir. Au verset 5, on nous dit ceci. Au verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de Seigneur.
qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Pendant qu'il est encore jour que j'accomplisse le désir de celui qui m'a envoyé. Dieu nous a envoyé pour vous bénir. Tandis qu'il est encore temps, tandis que tu es dans sa présence, à ce début de l'année 2016, laisse à ce que Dieu accomplisse des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Dieu, si ne voulait pas être en retard, il voulait accomplir au temps opportun, au moment où tu voulais avoir un bébé dans tes bras, que Dieu t'accorde ce bébé au nom de Jésus. Au moment où tu voulais avoir la prospérité dans ta vie, la richesse bénie dans ta vie, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Et ne te vois pas, que je suis là, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Laisse à ce que Jésus se soit ta lumière tout au long de l'année 2016 au nom de Jésus. Là où tu marchais dans l'obscurité, tu ne voyais pas où tu mettais tes pieds. Tu marchais mais tu ne voyais pas la porte. Tu ne savais pas distinguer la porte et le mur. Mais laisse ce que Jésus t'éclaire et que tu saches que ça c'est le mur des finances. Ça c'est la porte des finances. Ça c'est la porte de la fécondité. Ça c'est la porte du mariage. Ça c'est la porte des diplômes. Que Dieu te conduise, qu'il soit la lumière au devant de toi. Comme un
voici qui est immédié. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait c'est moi. Laisse à ce que Jésus-Christ te transforme, que ceux qui te l'ont connu autrefois ne te reconnaissent pas. Alléluia. Un chant l'avait chanté pendant la photo, c'est-à-dire prends-moi une pause. Alléluia. Une photo. Mais regarde-moi dans les années à venir. Amen. Aujourd'hui, tu vas te prendre une photo. Amen, amen. On va prendre même une photo à l'église. Tout ce qu'on va se mettre ici, on va prendre une photo. La fin de l'année 2016, à entrer pour l'année 2017, on va regarder le nombre de personnes qui étaient là. Alléluia. Et on va regarder comment nous étions. Si on était mince, si on était joufflu, si on était beau, si on était laid, si on est encore là, si on n'est plus là. Alléluia. Tu vas prendre la photo de ta famille telle que tu es là aujourd'hui. Et l'année prochaine, tu vas regarder les progrès que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Si les enfants ont grandi, s'ils n'ont pas grandi. S'ils sont encore jolis, s'ils sont déprimés. S'ils sont encore intelligents, tu vas regarder les progrès. Amen. Dès que la photo ne parle pas, avec la photo que tu vas prendre cette année, l'année prochaine, tu vas voir la différence. Alléluia. Les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens ne l'avaient considéré comme un mendiant. On leur avait donné le nom de mendiant. On leur avait donné le nom d'un mendiant. Quelqu'un qui demandait. Quelqu'un qui faisait te demander. Quelqu'un qui dépendait des autres. Indépendant des autres. Laisse à ce que Jésus change ta vie. Que les gens ne te reconnaissent pas. Ceux qui te reconnaissent, qui est encore fait du mois. Les vers, ils vont venir demander la paix. Alléluia. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez me prêter 50 dollars, s'il vous plaît, pour que je complète à mon loyer. Mais l'année prochaine, on va attendre que tu viennes frapper les portes. On ne te verra pas. Alléluia. Cette année qui vient de commencer, on ne va pas te voir encore comme quelqu'un qui demandait toujours. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Est-ce que vous pouvez me soutenir? Ayez quand même la clémence, la charité. On t'avait surnommé. Un homme qui demande la charité, un mendiant aveugle. Alléluia. Il ne voit pas où il part. Est-ce que je peux venir dîner chez vous? Est-ce que je peux venir souper chez vous? Est-ce que je peux venir dormir chez vous? Cette année, on va t'attendre que tu viennes dormir chez eux. Ils vont attendre longtemps. Alléluia. Ceux qui attendaient à midi, que tu viennes, tu passes. Ils vont attendre le midi. Ils ne te verront pas, ils vont dire peut-être pas passer le soir. Le soir, ils t'attendent, ils ne passent pas le soir, peut-être demain va venir. Une année, l'année 2016, tu ne vas pas demander chez les gens au nom de Jésus. Amen. Il y avait des têtes, on te connaissait déjà, même les banques te connaissaient. Quand je parle des gens, tu dis que moi je ne demande pas chez les gens, même les banques te connaissent. Les cartes de crédit. Alléluia. Là, je vois les gens commencer. Mais cette année, toutes les dettes que tu as faites, Dieu va les payer au nom de Jésus. Amen. Et les gens vont t'attendre que tu viennes encore prendre des prêts. Ils vont attendre longtemps. C'est toi qui vas commencer à prêter à la banque. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est impossible? Non. Quand tu mets à la banque pour tout, c'est toi qui donnes à la banque. Amen. Cette année, tu vas investir. Dites l'investissement. Cette année. Dis Seigneur Jésus, cette année, Seigneur. Je vais investir, je vais faire l'économie et je vais faire des exploits au nom de Jésus. Amen. Amen. Les gens qui te connaissent déjà, mais cette année, il faut te connaître en positivité. Ils s'étaient habitués, chaque fois tu disais, ajoutez-moi encore. Quand j'étais terminé, ajoutez-moi encore. Cette année, ils verront pas ton nom encore dans la liste des crédits. Des gens qui ont des dettes, qui sera crédible maintenant. Amen. On va voir que toi, tu es maintenant des dix spéciales. Cet homme, on était habitué à le voir comme mendiant. Dans ta famille, on te connaît déjà. Quand ton père te voit, il sait que tu viens déjà demander. Quand ton oncle, il reçoit ton appel, il sait que c'est une requête ou bien c'est une plainte. Donc, encore, oncle, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne suis pas capable de vous envoyer parce que ça. Et si vraiment le dollar a chuté, mon père vraiment a chuté. Même si le dollar ne veut pas chuter, toi, ça serait toujours compliqué. Mais cette année, on va te connaître sous un autre nom. Alléluia. Pas celui qui donne les explications. Amen. À Nicolas, il y a une adresse qui dit qu'après ça t'a la tête. C'est-à-dire quoi, il donne, il ne regarde même pas, mais je connais. C'est-à-dire qu'on va se mettre, il donne seulement.
cette année tu m'as donné. Amen. Tu ne vas même pas commencer à répéter parce que tu donnes sa langue de tes mains au sensible que tu ne vois même pas ce qui te passe. Que Dieu te passe cela au nom de Jésus. Amen. Et ça commence à regarder cette communauté, il lui ressemble. C'était le même jour. Il n'avait même pas encore changé les vêtements. Alléluia. Amen. Mais déjà sa vie avait changé. Laisse-le que ta vie change. Acquitte cet endroit aujourd'hui. Que ta vie change au nom de Jésus. Et sois laissé dire la foi. Amen. Acquitte ce lieu. Que ta vie change. Même tes voisins vont dire, c'est le même auto là. Ils vont dire que tu as acheté une nouvelle auto. Alléluia. Même ton auto, tu vas dire à la wendre au nom de Jésus. Amen. On la regarde, c'est la même auto, mais elle a changé. Et tu marches, tu marches. Même les demandes, tu vois que tu es béni, tu es dans la joie. Dieu t'est béni. Oh, alléluia. Amen. Je vois de grandes choses. Je vois comme si c'était un hangar qui est élargi maintenant. Et on fait rentrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça rentre, on ne sait pas les compter. Des conteneurs, des choses, des bonnes choses qui rentrent. Je ne sais pas s'il y a de l'or, il y a des bénédictions qui s'en viennent. Et Dieu va faire des grandes choses. Pendant que nous étions dans la paix les 14 jours, Dieu m'avait parlé un jour, il m'avait dit quoi? C'est l'année de l'élargissement. Je ne sais pas si quelqu'un qui ont été ici si peut se souvenir. C'était Esaïe 54. Élargissez vos tentes. Alléluia. Qui peut se rappeler de ça? Pendant que nous étions à la paix les 14 jours, j'avais dit que Dieu m'a dit l'année qui s'en vient. C'est une année d'élargissement. Et Dieu vient de le confirmer. Amen. Les mendiants ici, ils étaient pauvres mendiants. Tout le monde est négligé. Il ne faisait que demander. Mais ces jours-là, ils étaient devenus autonomes au nom de Jésus. Il est parti au Siloé, aveugle. Il est retourné voyant. Il est parti mendiant. Il est retourné indépendant. Il est parti dépendant. Il est retourné autonome. Laissez que Dieu vous fasse des surprises agréables au nom de Jésus. Amen. En partant de chez vous, quand vous allez revenir ici le dimanche, les choses commencent à changer les choses. Amen. Les choses qui étaient compliquées, que Dieu les rende faciles et d'une façon que tu vois toi-même apprécier Dieu et glorifier le Seigneur. Amen. Que Dieu fasse dans ta vie des grandes choses et des choses qui vont t'époustoufler, qui vont t'ébattre. Que Dieu te surprenne. Cet homme est parti aveugle. Mendiant, et les gens demandaient s'il lui ressemble, même il disait que c'est moi. Alléluia. Amen. Toi, tu vas commencer à dire aux gens, c'est moi. Alléluia. Amen. On te regarde, tu dis que c'est Gilbert, mais c'est pas lui. Ah non, il ressemble à papa Gilbert. Il ressemble pas à papa, c'est moi, c'est Gilbert. Alléluia. T'as qui ou t'as, c'est moi. Amen. Amen. Papa Gilbert, que Dieu te bénisse. Amen. On te regarde, on dit que. Il a le sourire de Sarah, mais ce n'est pas Sarah. Sarah n'est pas comme ça. Elle est trop belle, hein? Mais ça ressemble à ça. C'est moi, la nouvelle Sarah. Alléluia. Amen. C'est pas la Sarah de l'ancienne là que tu connaissais. Ça, c'est la nouvelle. Amen. Amen. Ah, c'est Jean Lélé comme Nyanzou, voilà. Je la connais. Mais là, où tu vas me voir, ce ne sera pas la même Nyanzou, voilà. Alléluia. Amen. Tu vas voir, mais elle ressemble à votre Jeanne. Oui, c'est moi. Elle ne peut pas passer à la télévision. Tu vas me voir à la télévision. Amen. Parce qu'il va t'en faire passer à la télévision. Tu vas commencer à me voir à la télévision. Si tu vas à la télévision, tu vas me voir sur YouTube. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Approchons très complet, Seigneur. Il était tourmenté, cet homme qui était mendiant. Regarde, Jésus, Dieu va changer ta vie. Tu es ramassé de la poussière. Il va t'élever plus haut. Il va t'amener à un niveau qui va époustouffer, qui va épater les gens. À un niveau qui va vraiment marquer les gens. Les gens vont commencer à regarder et dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Toi-même, tu diras que c'est moi. Cet homme était mendiant. Il était dépendant. Il était dépourvu de sang. Il était dépourvu d'amitié. Il était dépourvu de joie. Il était dépourvu d'honneur. Et ce jour-là,
Alléluia. Et toi, tu auras une seule chose à faire, c'est de te mettre à genoux et de demander à Seigneur, Seigneur, c'est qui que tu me veux. Alléluia. Les choses qui étaient impossibles, ça va devenir possible. Les enfants, tu peux en avoir la quantité triplée, quadruplée. Dieu qui te donne au nom de Jésus. Amen. Même tout tu as rempli la maison, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse des surprises agréables. La réussite là que tous les professeurs viennent te chercher. Ah, c'est qui cet élève qui est très très brillant. François Loubendieu, c'est qui? François Loubendieu, il vient avec ton nom, il dit que c'est François Loubendieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse que tu deviennes important, que les directeurs même te cherchent pour te faire des éloges. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cherches cette personne qui était négligée est devenue très importante. Laisse que mon Dieu te fasse une personne très importante dans ton quartier, au nom de Jésus. Amen. Dans votre immeuble, que tu deviennes la personne la plus importante, au nom de Jésus. Amen. Quand tu passes, s'il faut faire les interviews, que ce soit toi qu'on va interviewer. Que le Dieu des miracles, le Dieu qui a opéré pour ces mendiants, qu'il soit ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Qui te visite cette année. Tu étais habitué à voir les médecins tout le temps. Les médecins te connaissaient déjà. Quand on n'a pas vu une la semaine, cette semaine, c'est que la semaine prochaine, on va te voir. Que cette année, on oublie à l'hôpital au nom de Jésus. Amen. Il dit, hôpital, yeah. Oublie-moi au nom de Jésus. Hôpital, yeah. Oublie-moi au nom de Jésus. Mauvais endroit, oublie-moi au nom de Jésus. L'année passée, nous avons enterré deux de nos frères. Que cette année, les disciples, je ne vois pas les cimetières. Cimetière, oublie-moi au nom de Jésus. Prison, oublie-moi au nom de Jésus. Centre de détention, oublie-moi au nom de Jésus. Contrefaction, oublie-moi au nom de Jésus. Échec, oublie-moi au nom de Jésus. Recours, oublie-moi au nom de Jésus. Misère, oublie-moi au nom de Jésus. Pauvreté, oublie-moi au nom de Jésus. Seigneur, fais que je devienne une personne importante dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans ma vie, dans ma société, au nom de Jésus. Cette personne, il était inutile. D'un coup, il est devenu utile. Alléluia. Les hommes du quartier l'ont cherché. Les passants l'ont cherché. On l'a amené chez les pharisiens où il avait des difficultés à arriver. Alléluia. Les portes où tu ne pouvais pas entrer, les portes qui étaient compliquées pour toi, les portes qui étaient difficiles pour toi, laisse ça devenir facile au nom de Jésus. Que tu entres dans les portes qui étaient impossibles pour toi d'entrer, d'accéder. Les portes que tu ne pouvais pas franchir, que cette année tu les as franchies au nom de Jésus. Il y a des portes là, tu as fait des manœuvres pour arriver. C'était compliqué, mais à cause de la célébrité que Dieu va te donner cette année, que les gens aiment bien te chercher. On viendra te solliciter. Est-ce que madame, tu peux travailler avec nous? Est-ce que monsieur, tu peux venir travailler pour nous? Alléluia. On va venir te solliciter. Tes sœurs, tu étais promenée avec tes sœurs partout et ça ne donnait pas de fruits. Cette année, laisse ça pour te chercher au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde ce que tu n'avais jamais raconté auparavant. Amen. Et la Bible dit maintenant que arrivé chez les pharisiens, certains pharisiens disaient, qu'est-ce que cette personne-là qui fait les miracles les jours de Sarah? Et les autres disaient que non, ce n'est pas par la force d'une personne qu'on peut faire des miracles comme ça. Il y a une division chez les pharisiens. Qu'il y a une division dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Ils s'étaient formés d'accord. Ils s'attendaient tous. Ils avaient mis la même loi qui disait les jours de Sarah ne fait pas ceci. Mais que Dieu puisse te mettre en confusion tous ceux qui étaient tes ennemis. Que Dieu puisse les diviser au nom puissant de Jésus. Que cette année, Dieu sème la confusion dans les camps. Au nom de Jésus. Que toi, les portes te restent ouvertes. Et qu'à cause de toi, qu'il y ait la division dans les camps de tes ennemis. Et que toi, tu deviens sujet de gloire. Là où tu arrives, que les gens soient fiers de dire qu'il est notre. Amen. Il est de mon pays. Il est de mon église. Il est de ma famille. Alléluia. Que les gens soient fiers de toi. Il habite même lui-même que moi. Quand on te voit la vérité, c'est mon voisin, ton voisin, toi. Quand tu parles, hein? Toi, il peut être ton voisin, mais c'est mon voisin. Ou bien mon ex-voisin, alléluia. Parce que quand tu vas monter les niveaux, tu vas changer aussi la porte. Alléluia. Amen.
donné la prophétie qu'il nous avait donnée pour la lettre d'Esaïe 54. On va lire ce passage après toi, je vais prier pour l'église. Esaïe 54. C'est un passage que tu connais. Tu m'avais dit ce jour-là, élargis l'espace. Alléluia. Quand on te dit d'élargir l'espace, si c'est ton compte bancaire, il faut que ça soit grand. Alléluia. Si c'est ta maison, ajoute encore les chambres. Si c'est ton entrepôt, ajoute encore d'autres chambres. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Régime-toi stérile, toi qui n'entendais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. C'est-à-dire toi qui ne voyais plus la bénédiction. Réjouis-toi, parce que tu vas maintenant commencer à voir. Toi qui n'as plus de douleur, car les filles de la délaissée seront plus nombreuses que les filles de celles qui est mariée, dit l'Éternel. Pourquoi la fille de la délaissée? Tu étais abandonné comme ces mendiants. Tu étais délaissé, abandonné par tous. Personne ne te parcourait. Mais cette année, les gens vont te parcourir parce que tu auras beaucoup de bénédictions. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les ouvertures de ta demeure. Ne les tiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée de ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur et l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les colis chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse battue, et la tempête est que lui ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai les fondements des saphirs. Je ferai tes créneaux des rubis, tes portes des saboucles, et tout ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, quand tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'éliquera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. C'était une bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Ce qui compte, qui formera des projets contre toi, il tombera sur ton pouvoir. Et toutes les armes qui seront forgées contre toi, tu les rendras nulles et sans effet. Toutes les bouches qui s'élèveront en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la fermeras. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Le pouvoir est entre tes mains. Cet homme était handicapé pendant longtemps. Il était aveugle pendant longtemps, il ne voyait pas. Toi aussi, pendant longtemps, tu ne voyais pas ta bénédiction. Tu voulais voir, mais tu ne voyais pas. Tu voulais toucher, mais tu ne parvenais pas parce que tu étais mendiant, parce que tu étais malheureux. Mais cette année, le Dieu que nous servons, c'est à toi. Le Dieu que nous invoquons, il va te visiter d'une façon surprenante. Comme il a visité cet homme, il va te visiter. Ça a été une parole prophétique. Dieu va te visiter et il va te faire de bonnes choses. Quant à toi, de lui rester seulement attentif et obéissant et de reconnaître que c'est lui qui a fait. On demandait à cet homme ce qu'il a fait. Il disait que c'est Jésus. Et on lui demandait qui est-il
à chaque jour des choses qui vont se passer dans ton existence. Qu'il soit ton Dieu et qu'il soit ton prophète. Qu'il soit ton sacrificateur et qu'il soit ton berger. Qu'il soit ta porte qui va t'ouvrir les portes qui étaient fermées. Que ce Dieu accomplisse des choses merveilleuses dans ta vie. Que ce Dieu puisse apaiser la douleur de ta vie. Pendant longtemps, tu as marché avec la douleur, mais il laisse assez que cette année, Dieu puisse te faire aussi marcher dans le sourire. Qu'il puisse aussi te faire connaître les temps de repos et les temps de réjouissance. Que Dieu te fasse aussi contempler sa magnificence ainsi que sa grandeur, sa gloire ainsi que sa puissance, sa force ainsi que son amour. Que Dieu marche avec toi cette année dans toutes tes entreprises, dans ton mariage comme dans ta famille, dans tes études comme dans ton travail, dans tes projets comme dans ton futur. Que Dieu soit ton Dieu, qui se manifeste comme le Dieu qui va confondre l'ennemi, que les ennemis ne te reconnaissent plus, qui te transforme de façon que les gens ne te reconnaissent plus, que les gens qui t'ont vu l'année passée ne te reconnaissent pas l'année qui commence. Que l'année qui commence, les gens qui étaient habitués à te voir toujours mendier, à te voir toujours à un même endroit en train de demander, à te voir toujours dans des endroits suspects pour aller demander, que cette année, ils puissent te voir aussi dans des endroits où ils ne pouvaient jamais penser que tu pouvais arriver. Tu étais habitué à des points qui n'étaient pas vraiment favorables, mais que cette année, Dieu te fasse aussi entrer dans les points où il y a seulement des favorables. Que cette année, tu t'ouvres les portes que toi, tu n'étais jamais capable de t'ouvrir dans ta vie et jamais capable de franchir. Cette année, il y avait des endroits qui ne pouvaient jamais arriver dans sa vie parce que personne ne pouvait lui amener. Alléluia. Ces gens qui pouvaient l'amener pouvaient y aller tout seul. Mais cette année-là, quand il a vu, il pouvait lui-même aller frapper à la porte et demander quelque chose. Cet homme, il avait des choses, des avantages qu'il ne pouvait jamais avoir dans sa vie. Mais cette année-là, quand il a vu, il était capable lui-même aussi d'aller se faire ce qu'il voulait faire dans son existence. Même s'il voulait se marier, on pouvait l'amener une fois qu'elle part, sans qu'il puisse connaître elle est belle ou elle n'est pas belle. Mais cette année-là, il a pu voir, il était capable lui-même de faire son choix. Alléluia. Et ça, c'est que Dieu t'ouvre les opportunités à ce que tu vois. Ce qui était noir pour toi, que ça devienne clair. Ce qui était obscur, que ça devienne lumineuse. Au nom de Jésus, que ta vie soit maintenant en couleur. Que tu connaisses une vie en couleur. Que tu connaisses maintenant une vie favorable. Et que ta vie puisse changer et porter le monde. Et faire à ce que les gens puissent se demander, est-ce que c'est lui? Mais que toi-même, tu puisses dire, c'est moi. Alléluia. Laisse à ce que tandis qu'il a encore le jour, avant qu'il ne soit trop tard dans ta vie, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.